Bonjour la mouche, c'est ça. On dit bonjour la mouche. Et voilà, nous sommes sur le stand de SOS. On est juste à côté du stand des SOS, comme vous voyez. On dirait qu'il est quoi? Il est pas loin de 14h, c'est ça? Il est 13h52 et nous sommes. Et apparemment, cette année, il y a un peu plus de chars que prévu. On a du monde, comme vous voyez. En direct de Paris, de la Pride. Le départ normalement devrait être démonté normalement. Voilà. Et on vous emmène au sein de. Au niveau force de police, nous avons encore du monde. Hein. Comme vous pouvez le constater, il y a encore du monde là-bas. Il y a la CGT, il y a encore les policiers d'infoservice. La police qui est là, qui surveille. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes le 1er juillet 2012. Un bon petit dimanche au soleil à Paris. Regardez-moi ça comme il fait beau. Et comme vous voyez, nous sommes au pied de la Tour Eiffel. Enfin, nous ne sommes pas en dessous. On va y aller après. On va montrer aussi le pied ce que ça donne. Vous voyez, 300 mètres de haut. Plus ces 14 mètres d'antenne quand même. Faut pas les oublier, ceux-là. Voilà, à tout de suite, on va directement en dessous, ouais. Comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, on vient d'arriver. Voilà, pour vous prouver, regardez, on est bien en dessous de la Tour Eiffel, alors on le voit très très bien. Si vous voulez, je peux vous zoomer. On voit bien le pied de la Tour Eiffel. Allez, là je crois qu'on est côté, on est au bout du pilier, oh, vous allez nous dire, on est entre, en fait si vous préférez, on est entre la Tour Eiffel et le Trocadéro qui est derrière nous. Au fond, si vous voyez, c'est le Champ de Mars. Là-bas, c'est le Champ de Mars. Il y a du monde, regardez comme il y a du monde, c'est impressionnant. Le Champ de Mars, vous voyez, la Champ de... Voilà, on le voit bien avec les bus, tout ça. Et regardez ça, au fond, pour Montparnasse, donc. C'est pas si loin que... C'est pas loin de la Tour Eiffel, hein. Donc ça veut dire que même la gare où on est, elle est pas loin. Parce que la Tour Montparnasse, c'est juste à côté de la gare. L'Arc de Triomphe. Bon, on va quand même un peu filmer de près ces jolis petits. Ces jolis magnifiques. C'est magnifique d'ailleurs. C'est hyper beau. Je ne sais pas comment dire ça, mais. C'est vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Bon, ça, bon, vous savez que derrière les Champs-Élysées, on vous montrera juste après à partir de l'Arche, parce qu'on va aller en dessous de l'Arche. On va essayer si on peut traverser. On va essayer d'aller à l'Arche. Ah non, regarde, il faut traverser comme des champs. Ouais, bon, mais on va quand même essayer d'aller dessous, parce qu'on va essayer de filmer les Champs-Élysées vu de l'Arche. Voilà, vous voyez, il y a du monde, hein. Oh là là, regardez tous ces trucs, c'est impressionnant. Bon, on va tenter d'aller dans l'Arche et on vous... Si on arrive à passer, hein, voilà. Parce que là, je te garantis rien. Allez, à tout de suite. Alors, là ici, on est carrément au pied de l'Arc de Triomphe, on l'a jamais fait encore. Et puis, il y a plein de noms inscrits. Alors, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de noms. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, mais c'est. Ah, moi, oui, c'est peut-être. Oui, parce que l'Arc de Triomphe dans l'histoire. Ouais, Schneider. C'est tous ceux qui sont morts pour carrière. Armée du Nord, Ardennes, de la Moselle, du Rhin de Sambre, de Meuse et Rhin et Moselle. C'est pas sur la guerre mondiale, ça? Si. Un petit peu, non? Si, c'est par rapport à la guerre mondiale. En tout cas, il y a plein de noms. Hein. Alors, bon, évidemment. Noms, hein, là-bas, bon, évidemment. Bon, évidemment, regardez. Enfin, je sais pas si on peut voir. C'est impressionnant. On est carrément autour. Voilà. Et normalement, les Champs-Élysées, c'est où? Là. De l'autre côté. Alors, le problème, il faut que je sois au pied de l'autre, dans un autre coin pour faire la Tour Eiffel, enfin, la Champs-Élysées vue de l'Arc de Triomphe. Bon, j'arrive. Voilà, là, je suis dans un autre secteur. On est toujours à l'Arc de Triomphe, je précise. Hein. Je suis toujours au pied de l'Arc de Triomphe dans un autre secteur. Je précise. Regardez, je fais bien proche tout ça. Bon, je peux encore vous montrer encore des noms et encore des noms. Puis regardez au centre, hein. Ouf. C'est impressionnant. Bon, pas loin, la Tour Eiffel est là-bas. On n'est pas loin de la Tour Eiffel non plus, hein. Elle n'est pas loin, si loin que ça. Mais ici, alors là,
Passage obligatoire quand même. Les Champs-Élysées. Là, je dois fredonner peut-être la chanson. Faut peut-être. Là, c'est aux Champs-Élysées. Palapalapa. Aux Champs-Élysées. Palapalapa. Oui, il doit se dire les gens. Hein. Bon, alors. Si on regarde bien plus au fond, regardez là. Là, je vais zoomer. Et normalement, de loin, avec le zoom, c'est la Concorde. Et c'est là qu'on va aller tout à l'heure. J'y arriverai, hein. Attendez, parce que je suis en train de zoomer. Voilà, la Concorde. Toujours les Champs-Élysées, ça souffle. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal à rester droit. Je suis désolé. Il y a un peu de vent, là, pour être honnête. De toute façon, la Concorde... Il y a tellement de choses à visiter là-bas. Donc voilà, oh, bah là, vous voyez bien les Champs-Élysées là. Bien qu'au film faux là. Normalement au fond, en plus au fond des Champs-Élysées, normalement il y a le palais du président de la République, le nouveau président d'ailleurs. Bon, ça, je me rappelle plus, je crois que c'est sur le côté gauche, si je me souviens bien. Voilà. Donc, il fallait que je vous montre les fameux Champs-Élysées. Donc tout à l'heure on va se retrouver ben, justement de l'autre côté des Champs-Élysées. Dans le Concorde, voilà. Donc on se dit à tout de suite. Toujours place de la Concorde, mais cette fois depuis le jardin des Tuileries. Nous sommes à l'intérieur des jardins des Tuileries, hein, je précise, hein, vous voyez. Hein. Belle vue là aussi, hein, la Concorde. Voilà. Pas loin la Tour Eiffel, hein, et elle est pas loin. Hein, de vue comme ça. Bon, il faut dire, hein, avec 300 mètres d'eau, elle peut être que visible. Hein. Et si je me trompe, si on se trompe pas, parce que comme on l'a fait il y a deux ans. Palais. Ouais, on pense que c'est le Grand Palais ça. Ça c'est le Grand Palais. Et ouais. Donc on l'a fait il y a deux ans à pied, mais là on le voit bien. De haut. Bah, depuis les jardins des Tuileries. Hein. Et normalement pas loin là-bas. Bon alors c'est, les Champs-Élysées sont devant, hein, en face de l'autre côté. Peut-être pas d'ici, mais il faut aller là. Beaucoup. Voilà, il faut commencer par là pour revenir sur les Champs-Élysées pour réatterrir à la place de l'Étoile. Alors ici, je sais pas ce que c'est. C'est des bâtiments. Très jolis. Très intéressant. Hein. Très... J'aime bien. Et je rappelle que l'Assemblée nationale, alors là, cette fois d'ici, on ne voit pas. Et l'Assemblée nationale, ici, Joël, oh, il est là. Ouais, l'Assemblée nationale est ici. Voilà. Alors, hein, il faut traverser un pont pour y aller, de toute façon. Le pont d'Allemagne. Le pont. Alors ça même chose. Je suis en train de voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Alors, je connais pas par cœur. Hein. Je ne pense pas, je crois pas. Voilà. Donc, c'est la dernière image de la Concorde. Hein. Et on se retrouvera pour le Louvre. A tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour. Toujours au jardin des Invalides. Jardin des Tuileries. Voilà, on est toujours là-dedans. Je précise que nous avons marché. Hein. On commence à être loin de la Concorde. Regardez la Concorde où elle est. On a fait tout ce chemin. Et on a atterri de l'autre côté. Oh, mais attendez, c'est pas mal. Au fond, on a l'Arc de Triomphe, dis donc. Et l'avenue des Champs-Élysées qui est... Mais c'est énorme comme vue. Je vois la Concorde et l'Arc de Triomphe depuis le jardin des Tuileries. Mais c'est génial, ça. Bon, c'était pas tout à fait ça que je voulais voir. Donc, on est au milieu des jardins des Tuileries. Et si vous regardez bien, je vais essayer de vous le présenter. Voilà. Ça, c'est pas mal. Un peu caché par les bon, il y a des arbres. C'est vrai qu'il y a des arbres. Bon, il y a une deuxième fontaine. Et si on regarde bien, normalement, si vous voyez bien, c'est le Palais Royal. Magnifique. Magnifique. C'est bien le Palais Royal. Hein. C'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Là, je vais essayer de faire le tour. On va essayer de faire le tour malgré les arbres, hein, je suis désolé au passage. Hein. Il y a des jolies statuettes. Devant les gens, putain les connards. Voilà, ça c'est passé au caméscope et on ne dira rien. Voilà, pas mal de gens, je confirme, effectivement, il y a beaucoup de touristes. On est dimanche, hein, on est le 1er juillet au passage, hein, on est le premier jour de juillet, premier jour des vacances. Donc voilà, donc je voulais d'abord vous présenter le Palais Royal avant qu'on arrive de l'autre côté, parce que de l'autre côté du Palais Royal, c'est le Louvre. Donc, voilà. Voilà, on fait comme ça, on se retrouve peut-être si on est plus proche du Palais Royal, on va essayer de faire quelque chose plus proche avant de faire le Louvre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes au... C'est joli hein, d'ici. Hein. Franchement, regarde l'arche.
Alors je sais pas, est-ce que c'est l'Arche du Palais Royal ça? Attends, de toute façon il y a un texte en haut là. Il y a un texte. Il y a marqué à la voix du vainqueur d'Austerlitz. Ah si, c'est ça. L'Empire d'Allemagne tombe, la Confédération du Rhin commence. Des royaumes des Bavères et des. Bon bah, c'est pas mal. Là en haut, une belle statue aussi, je précise. Je sais pas qui c'est. On dirait peut-être. Bonne question. Bon bah, en tout cas, je fais un peu le tour. Je fais un petit peu le tour, c'est très joli. Hein. Il y a des jolis monuments. Je précise qu'on est à l'autre bout des jardins des Tuileries. On va pas tarder à sortir. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que de l'autre côté, regardez bien, si vous voyez bien là, de l'autre côté de cette arche se trouve la pyramide du Louvre. Et on va y aller juste après. On va voir tout ça de plus près. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite. Bon, on n'est pas loin de la fin de l'état de notre péripétie. Hein. On vient de traverser l'arche et regardez. Bon, malgré qu'il y a des gens devant, hein, je suis désolé. Hein. Ah si, voilà. Là, on voit bien la pyramide du Louvre. Là, voilà. Belle pyramide. Belle, jolie, très magnifique. Quelle magnifique pyramide. Bon, il y a des gens, il y a des touristes. Hein. Faut dire comme d'habitude. Comme d'habitude hein. Oui, bon, c'est vrai. Je confirme. Et je pense que on c'est. On est prêt de passer devant. Et je pense. Que tu filmes ou que tu. Et je pense que c'est le musée du Louvre. Hein. Je pense, de l'autre côté de la pyramide. Ah là, on est en train de filmer le temps. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà. Voilà, bon ben je vais pas rester. Alors on est au bout de l'esplanade des Invalides et pas loin du quai d'Orsay au passage. Bon, on voit bien les quatre piliers là. C'est le pont Alexandre III normalement si on se trompe pas. Voilà, on voit bien les quatre hein, cette fois. Ça c'est le pont. Et là on voit bien le Grand Palais. Là on le voit bien, il est juste à côté. Et il y a la ville. Le petit palais, tout à l'heure je me suis trompé, je crois que le petit palais il est là, voilà, le petit palais c'est ça, c'est celui qui est à droite de, c'est ça le petit palais, et derrière, ben, on revoit, je répète ce qu'il y a derrière, hein, c'est l'hôtel des Invalides, hein. Avec, sur la droite, la gauche, voilà, là on le voit bien de fond, là, je vois bien, là, on voit bien l'esplanade, l'hôtel, et sur la gauche, et oui, la tour Montparnasse, notre arrivée. Aussi. C'est là où on va pas tarder à arriver, on va aller à la gare Montparnasse. Bon, un petit tour vite fait là, à côté Air France. J'aime bien le Air France, c'est juste à côté là. Voilà, Air France. Je pense que c'est ici, mais bon, c'est pas grave. De Air France. Voilà. Allez, c'est fait. Bon, ben voilà, dernière étape de notre route. Il est 19h20. Au passage, dans une heure, on prend le train. Ben voilà, gare Montparnasse, hein, pour ceux qui reconnaissent pas. Hein. D'ailleurs, au passage, regardez les villes. Voilà, regardez. Bayonne, La Rochelle, Tarbes, Niort, Pau, Bordeaux, Toulouse, Angoulême, Montauban, Poitiers, Agen. Voilà, je crois que c'est Chartres en bas. Et bien sûr, nous, on va aller à Bordeaux. Avant de finir. Bon, déjà, ça, c'est le petit parc qu'on va souvent, là. Avant qu'on aille à Montparnasse pour manger, pour s'étendre, pour se. Voilà. Ça, c'est le petit parc auquel on se pose souvent. Et évidemment, derrière, je suis désolé, hein, mais voilà. Ça, c'est incontournable, la tour Montparnasse. Alors déjà, ça va donner le vertige, hein, je vous le dis. Hein. C'est tellement haut, je crois qu'elle est même plus haute que la tour Eiffel, Lyon. Combien elle est plus haute que la tour Eiffel. Ça donne le vertige, je vous jure. Je sais pas combien de mètres d'eau il fait, mais alors... impressionnant, je crois que c'est plus haut que la tour Eiffel quand même. Combien, 500 mètres à peu près, non? Peut-être que l'année prochaine, on en fera d'autres, peut-être des nouveaux endroits. En tout cas, on a passé une... On aura pu visiter... On a passé une très bonne journée. En 3 ans. Ouais. Il y en aura d'autres. Hein. Le Louvre aujourd'hui. Le Louvre, c'est tout nouveau, mais voilà, c'est tout. Voilà. Allez. Bye.